à la pure, oui, c'est-à-dire plusieurs activités. Voilà. Alors, le sommeil, la bouffe. Les femmes, je l'ai vu, mais je ne peux pas. Pour tenter de vous définir ce mode de vie, on est parti à la rencontre des plus réactifs, comme Mathieu Cumia à Lucien Sauveur. J'ai commencé mes études par un bac général, scientifique. Et ensuite, j'étais parti sur un BTS TP, mais ça ne m'a pas plu. Donc, j'ai atterri à Vic-en-Bigorre. J'ai fait un BTS AXE. Et tout ça dans l'optique donc, de reprendre l'exploitation familiale. Donc, j'ai repris depuis 2 ans là, l'exploitation de mon oncle, à titre secondaire au départ. Donc, je faisais la saison d'été et d'hiver. Donc la saison d'été, j'étais dans un groupe de communauté de communes. Je faisais tout ce qui était entretien et suivi des troupeaux à l'estive. Et l'hiver, j'attaquais aux remontées mécaniques. Et là, depuis l'année dernière, je me suis installé à titre principal parce que l'été, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai eu l'occasion de m'agrandir, donc j'ai arrêté la saison d'été et je continue la saison d'hiver. Toujours à la station de Lussardiden. Donc aujourd'hui, j'ai un troupeau de bovins, blonde d'Aquitaine. Donc pour l'instant, je suis à 15 mères seulement et en projet d'installation, j'ai un bâtiment quoi, qui me permettrait d'agrandir et de travailler plus facilement et pour gagner du temps aussi quoi. Donc ici, c'est le système, c'est comme partout en montagne, quoi. C'est un système bovin transhumant. Donc là, il y en a quelques-unes encore en montagne et d'ici 15 jours, on aura tout dans les étables. Et d'ici un mois, comme ça, si le temps nous permet, si la neige tombe, on commencera la saison d'hiver jusqu'à fin mars, début avril. Donc voilà, ça fait plus de 3 ans que je suis titulaire, je suis sapeur-pompier. Donc j'ai fait ma formation, c'est-à-dire tout ce qui concerne le secourisme, l'incendie, à peu près 2 ans. Et après j'ai été titulaire et je suis rentré dans le tableau d'astreinte, comme on dit. Donc maintenant, le système ici au centre de Luz, c'est on est d'astreinte un week-end et toutes les nuits de la semaine. Donc ça revient à peu près à chaque mois, quoi, toutes les 4 semaines. Quoi. Donc ensuite, chaque centre a des spécialités. Donc ici, on a le secours en ravin. Donc là aussi, il y a une formation. Et ensuite, il y a le secours d'éblément aussi. Il y a quelques-uns des collègues là qui en font partie au niveau département. Par la suite, on a rencontré Hervé Borderolle, un habitant de Luz et dont Mathieu Cumia connaissait. Je suis pisteur secouriste maître chien à la station de Barège Grand Tourmalet. Et en parallèle, donc, je suis plus réactif et je travaille aussi ouvrier forestier en RTM, restauration des terrains de montagne. Donc ça consiste à s'occuper de tous les accès sur les gros chantiers, par avalanche, pose de filets, par neige, du revent et tout ça, et quelques travaux de boucheronnage à côté. Dans mon métier de pisteur secouriste, donc, je suis aussi maître chien avec Buzz, mon berger allemand. Nous avançons vers la ferme auberge de Thierry Dubarry. Voici son parcours. Propriétaire de la ferme auberge du Lac Apularieux, agriculteur depuis maintenant 27 ans. Donc reprise de l'exploitation en 1987, petite exploitation de 20 hectares. Production de canards prêts à gaver, 1500 canards par an.
élevage de porcs charcutiers, mais c'était juste personnel, donc 3 porcs par an, et la volaille, le jardin, et culture 15 hectares de maïs, et 5 hectares de blé. Donc on a démarré cette ferme auberge en juillet 87, avec une petite progression jusqu'en 93. 93 installations en tant que GIA, avec la construction d'un bâtiment de canards prêt à gaver, 400 mètres carrés, donc 12 000 canards élevés par an. Donc ces canards étaient destinés à la vente à des gaveurs, et une partie qui était gavée sur place pour approvisionner la ferme auberge, qui était toujours en progression, donc jusqu'aux années 2000, où là il a fallu faire un choix à la suite de certaines modifications en tant que main d'œuvre sur l'exploitation. Il a fallu embaucher du personnel, donc j'ai commencé à prendre un salarié plein temps en 2000. Donc du coup, du moment qu'il y avait un salarié, il a fallu augmenter un petit peu le chiffre d'affaires. Donc mais ce salarié, il a fallu embaucher une autre personne pour nous aider, parce que forcément il fallait faire du volume, de plus en plus de repas. La clientèle étant là, nous sommes en 2013 et j'ai embauché une personne par an. Donc ça fait 13 ans et il y a 13 salariés. Voilà, donc ça depuis 2000, c'est vrai que l'exploitation, enfin la partie surtout restauration, a bien évolué. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Forcément, vu que la clientèle a évolué, la production a évolué. Nous avons arrêté l'élevage de canards prêts à gaver destiné à la vente. Par contre, nous nous sommes recadrés aujourd'hui à faire le prêt à gaver uniquement pour nous, uniquement pour alimenter la ferme auberge. Donc aujourd'hui, nous sommes à 2000 canards élevés et gavés sur place. La partie porcine, on était à 3 porcs au départ, nous sommes aujourd'hui à 25 porcs charcutiers élevés et transformés. La partie volaille poule qui sert pour la spécialité maison de la poule farcie. Aujourd'hui nous sommes à un peu plus de 600 poules élevées et servies à table. Plus forcément le jardin avec les pommes de terre, les haricots tardés, les salades en saison, les tomates, les oignons, voilà, un maximum de légumes l'été. Et donc et la partie céréalière aujourd'hui, on continue à produire donc notre maïs sur maintenant plus que 10 hectares de maïs. Il y a 5 hectares de blé et 5 hectares de parcours pour tout ce qui est élevage pour canards et poulets. Voilà. Donc en gros, voilà le schéma de la ferme auberge du lac aujourd'hui. Ce qui se passe, il y a eu depuis 2000 donc embauche d'un salarié par an, et il a fallu obligatoirement on répond à une clientèle, on répond à une demande qui est très importante dans la région. Donc la partie restauration sur place, mais aussi des clients qui voulaient qu'on se déplace à aller faire les repas chez eux. Donc automatiquement j'ai monté une équipe traiteur. On a développé une activité de plat emporté également, donc c'est-à-dire que les clients viennent se chercher les repas sur place avec leurs plats, et moi ça me permet le matin de cuisiner un maximum de plats, et une partie qui est servie sur place et l'autre partie qui est mangée à l'extérieur. Et ensuite on a aussi développé depuis 1993, et là aujourd'hui je suis dans un impasse parce que je ne sais pas comment on va l'évoluer, on va continuer ça, c'est la vente de produits fermiers, parce qu'aujourd'hui je me rends compte qu'on commence à être un peu limité en production, et parce que l'activité restauration augmente encore, et elle n'est pas prête de s'arrêter, parce que vu un petit peu l'année 2014 qui se présente, ça va être très difficile. Dans la partie vente de produits fermiers, je pense que d'ici 1-2 ans, on va être obligé de faire un choix. Soit je la continuerai, soit je l'arrêterai. Si je la continue, il va falloir que je mette un ou deux salariés dessus. Voilà, donc ça va être le deal. Voilà. J'ai repris cette activité de tourneur sur bois qui était de mon grand-père.
À la base, il était agriculteur et tourneur sur bois. Ici, dans la vallée des Baronnies, tout le monde était agriculteur. Et certains, ils avaient un petit métier qui les aidait à vivre. Depuis tout petit, j'étais passionné par cette activité de tourneur sur bois. Je voulais faire mon métier, mais il fallait trouver une autre activité. Donc à l'école, j'ai fait une formation de menuisier ébéniste. Puis après l'école, au moment de l'installation, j'ai choisi de faire plutôt de monter une scierie et une exploitation forestière parce qu'il y avait déjà plusieurs menuisiers dans la vallée et parce qu'il y avait un problème d'approvisionnement en bois local alors qu'on est face à des montagnes et de nous prendre de ressources à ce niveau-là. Donc l'idée était de créer une scierie pour garder l'atelier de tournage sur bois. En plus de la scierie, j'ai agrandi vers l'exploitation forestière pour avoir un approvisionnement encore un peu plus local pour pouvoir gérer le stock, les essences de bois, le séchage, ce qui est très important pour pouvoir travailler. Donc une grande partie part sur le commerce du bois en bois d'œuvre pour des menuisiers et des ébénistes. Une autre partie sur le bois de chauffage qui est en pleine expansion aujourd'hui. Et une autre partie que je garde pour l'atelier de tournage pour moi. Alors après, pour essayer d'allier vie professionnelle et vie de famille, je me suis installé dans l'ancienne ferme de mes grands-parents et je me suis servi des locaux existants pour adapter toute cette entreprise. L'atelier, c'est le bâtiment de stockage de fourrage qui a été amélioré, fermé pour pouvoir y faire l'atelier dedans. La scierie, je l'ai construite à part. Et l'autre bâtiment, l'unité de production de bois de chauffage, qui a été fait dernièrement pour avoir plus de place et un parc à bois pour trier le bois. Quant à la maison d'habitation, je me suis servi de la maison de mes grands-parents que j'ai rénovée en partie pour être sur place. Donc comme ça, je peux allier la vie de famille avec le travail. Au niveau de l'activité du tournage sur bois, je n'ai pas fait de formation puisque je l'ai appris depuis tout petit avec mon grand-père. À l'âge de 5-6 ans, je le regardais travailler, il me commençait à me tenir les mains. Et à 7-8 ans, j'arrivais à travailler tout seul. Et petit à petit, je me suis perfectionné sur ses conseils à lui. Donc je n'ai pas eu de formation au niveau d'école sur le tournage. J'ai préféré prendre les menuiseries et ébénisteries et qui venait en complément de cette activité-là. Donc là, je travaille avec ces outils qui s'appellent des couches. Donc c'est vrai que ce métier me plaît parce que tout d'abord, faut avoir comme tout le monde, c'est plus une passion, mais aussi ce qui me donne envie, c'est le pays, quoi, rester au pays avant tout. Donc premièrement, je suis né ici, donc j'ai ma famille, mes copains, tout ça, au pays, donc
j'ai pas eu envie de partir d'ici. Après reprendre l'exploitation familiale, c'était ce que je voulais faire aussi. Je ne voulais pas la laisser à l'abandon. Donc après tout cela, ça engendre des avantages, des inconvénients. En tant qu'agriculteur, comme tout le monde le sait, on est son propre patron, on s'organise, mais après il y a des inconvénients aussi. On a des imprévus et après on est dépendant de plein de choses. Et en tant que, après en bossant à côté aussi, il y a d'autres inconvénients. On a de moins en moins de temps libre et même s'il y a, ce complément de revenus quand même qu'il ne faut pas négliger. Comme la majeure partie des gens du pays, qui soient agriculteurs, qui travaillent dans les stations en tant que moniteurs, pisteurs ou n'importe, c'est ça qu'ils cherchaient avant tout. Et il faut dire aussi que ces stations étaient à la base créées pour faire travailler les gens d'ici. Donc maintenant, ici, dans le canton, on est basé sur le tourisme, mais le tourisme aussi, sans l'agriculture, il n'y en aurait pas. Donc l'un ne va pas avec l'autre. Je suis habitant de la vallée de Luz depuis toujours, donc je suis natif d'ici. J'ai toujours travaillé en saison. J'ai commencé mon cursus de pisteur secouriste, j'avais 17 ans. Donc très jeune. J'ai toujours été passionné par ce métier. Les gros avantages de ce métier, c'est qu'en fait, on travaille quand même en extérieur. C'est très bien pour les montagnards. Et après, on est au contact des gens, on fait quand même du secours sur piste, donc on côtoie des personnes qu'on n'est pas censé rencontrer dans la vie. Et puis ça fait toujours plaisir de sauver des gens. Les gros avantages sont de qu'on puisse travailler en extérieur tout le temps. C'est un peu ce qu'on recherche quand on vit dehors, en fait, quand on vit en montagne. Ça permet d'être déjà dans la localité, à la maison tous les jours. Donc tous les soirs on peut rentrer, on retrouve son foyer. Et voilà, quoi, les petits inconvénients, c'est qu'on mange dehors, on mange à la gamelle tous les jours. Donc là, de suite, il faut préparer les repas et les emmener sur place. Donc, les avantages et les inconvénients. Donc, on va commencer par les inconvénients. Peut-être ce sera le plus. On va lever le mauvais de suite. Donc, les inconvénients d'une activité comme la nôtre. C'est une activité qui a besoin énormément de main-d'œuvre. Et on ne peut pas, dans une activité comme la nôtre aujourd'hui, se permettre de ne pas avoir suffisamment de personnes pour faire tout le travail, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Donc il faut trouver du personnel qui sache bien travailler, qui fasse du bon boulot, du personnel qui est assez souple dans les horaires, parce qu'avec une activité de restauration, c'est quand même assez pas évident. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'avoir toute une équipe qui voit le travail qu'il y a et qui essaie de s'adapter à chaque fois. Hein. Donc, j'ai quand même, ça c'est quand même un des points qui, dans le point négatif, qui est quand même assez intéressant. Il y a le fait que toutes les personnes qui travaillent ici ne travaillent pas forcément, ne voyaient pas le travail comme si c'était une entreprise quelconque, ils voyaient le travail un petit peu comme si c'était pour eux. Donc l'avantage, c'est que le travail qu'il faut ici, ils considèrent que bon, s'ils sont là pour le faire, mais à la fin, il y aura le salaire, il y aura l'entreprise va fonctionner, donc automatiquement, on peut avoir la possibilité d'avoir cette main d'œuvre qui est permanente et dès qu'il y a du boulot, voilà, j'ai tout le monde. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur les inconvénients? C'est aujourd'hui, on a une activité qui évolue, donc on est obligé d'évoluer avec la clientèle, on est obligé de s'adapter, on est obligé de proposer de nouvelles choses. Ce qu'on faisait il y a 20 ans, eh bien, il faut l'oublier. Il y a certaines bases que l'on garde, mais voilà. Donc aujourd'hui, on propose l'activité traiteur, comme je disais, on fait des apéritifs dînatoires, on fait tout un tas de choses.
Mais c'est vrai que ça, c'est une remise en question permanente. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc ça, c'est, pour moi, c'est l'inconvénient parce que voilà, moi, je ne suis pas cuisinier, je suis pas, on fait un petit peu ce que l'on aime et je me rends compte qu'aujourd'hui, on va vite se limiter. Pour les avantages, un gros avantage ici, c'est que pour travailler, on n'est pas obligé de partir, on travaille sur place, sur une petite exploitation de l'hectare. On peut vivre et faire travailler du monde. Donc aujourd'hui, avec toute l'équipe qu'il y a ici, je me rends compte que sur ma petite exploitation agricole, si j'avais, si je continue mon élevage de canards, si je faisais que de la céréale, ce serait pas possible de vivre au pays. Donc ça, c'est un gros avantage, c'est de pouvoir rester au pays, vivre chez soi, de pouvoir garder le patrimoine, que ce soit la maison, l'exploitation, de faire évoluer ce patrimoine. Donc forcément, on a refait les toitures, on a refait les façades, on a refait tout ça, c'est quand même très important. Ensuite, bien sûr, je ne vais pas me cacher non plus, et on a quand même un salaire qui est quand même plus intéressant de travailler chez soi et de ne pas avoir toutes ces contraintes d'aller travailler dans une entreprise, de travailler pour soi. Un beau pécunier quand même un peu plus intéressant. Bon, après, ce que j'ai mis un petit peu de côté ici, c'est la vie privée, parce que forcément, pour développer une activité comme ça, j'ai tout misé sur l'activité. Donc c'est vrai que moi, ma vie privée, elle est très, très, très infime, c'est une partie infime. Par contre, j'essaie de prendre le temps de partir en vacances. Voilà, ça c'est un truc, hein, ça, il faut au moins prendre une semaine, 15 jours par an. Même si là, j'ai eu quelques péripéties assez compliquées à gérer, ça n'a pas été le cas. Mais à partir de cette année-ci, de l'année prochaine, on va redémarrer les vacances. Voilà. Après, l'avantage, on rencontre des gens de partout. Pour moi, c'est une passion. Donc à partir de là, on a des gens de toute la France et même d'étrangers qui viennent nous voir. C'est vrai que c'est toujours un relationnel avec une clientèle très, très, très enrichissant. On apprend beaucoup. D'ailleurs, si on évolue dans ce métier-là, c'est parce qu'on a une clientèle très importante qui nous apporte beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est surtout un enrichissement personnel. Bon, l'avantage, c'est qu'on est toujours sur place et pouvoir profiter des enfants, de tout. L'inconvénient, c'est un peu plus pour prendre du temps libre, c'est un peu plus difficile, mais bon, on arrive quand même à lier les deux.